Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer comme chaque vendredi à parler de différentes races de chiens. Et cette fois-ci, nous allons parler en moins de 5 minutes du Jack Russell Terrier, joyeux et plein d'énergie. Le Jack Russell Terrier tient son nom du créateur de la race, le révérend John, dit Jack Russell, un pasteur anglais passionné de chasse. Utilisé comme le fox terrier pour débusquer le renard et autres petits animaux cachés sous terre, le Jack Russell est une race particulièrement énergique, ne supportant pas l'inactivité. Ce petit chien est une véritable boule de nerfs, ce qui fait que c'est une race que j'ai trop du mal avec. Mais c'est aussi un compagnon affectueux et très amical avec les étrangers. Il adore la vie de famille et aime jouer avec les enfants. Il n'est pas toujours facile de concentrer son attention lors de son éducation, car il ne tient pas en place. Mais on peut le stimuler via un système de jeu ou encore de récompense. Il sera bien malheureux s'il est souvent seul et supportera difficilement une vie en appartement. L'idéal pour lui est de vivre dans une maison avec jardin où il pourra courir ou sauter à loisir. Bien entendu, on ne le laisse pas continuellement dans le jardin, on joue avec lui et on n'hésite pas non plus à l'inscrire à du canisport, donc faire du canicross avec lui ne lui fera pas peur, canitrotte non plus, faire de l'agility, du pistage ou l'utiliser même pour sa fonction première en tant que chien de chasse sera très important. Ce n'est absolument pas un chien pour papy et mamie, ce n'est pas un chien de canapé, sinon gare à la destruction, problème de comportement et obésité. Concernant le standard, le Jack Russell fait de 25 à 30 cm au garrot. Pour un poids allant de 5 à 6 kg, oui, il faut pas oublier qu'il est censé rentrer dans les terriers. Son poil, quant à lui, est soit doux ou dur, mais toujours court. Et sa robe est toujours blanche, tachetée de noir ou de fauve. Et son espérance de vie va tout de même de 13 à 16 ans. Donc ne vous trompez pas lorsque vous choisissez de prendre un Jack Russell terrier. On ne le prend pas juste parce que c'est le chien le moins cher sur le bon coin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur cette race qui est très populaire mais très incomprise depuis de très nombreuses années vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !